Je pense pas qu'on s'intéresse moins à nous, je pense qu'on est largement moins médiatisé, ça c'est sûr. Je pense que si on était un peu plus médiatisé, peut-être que ça changerait la donne. Par exemple, suite aux Jeux Olympiques, quand on a fait une médaille d'argent, il y a plein de gens qui ont découvert ce sport-là parce qu'on a fait une médaille, ça a été médiatisé sur les chaînes publiques. Et beaucoup de gens ont apprécié ce sport-là. Donc je pense qu'il faudrait un peu plus de médiatisation. Après, c'est toujours le même problème, ça reste compliqué. Et voilà, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, on essaye de faire notre maximum pour que ça bouge un peu. Je pense que oui, après, j'ai pas envie de dire que c'est comme ça parce que je trouve ça un peu dommage qu'on s'attarde. Non, qu'on s'attarde pas sur les garçons, mais je trouve ça dommage qu'on ne regarde que les garçons. Je pense qu'il y a tellement de femmes qui travaillent, voire plus que les garçons dans certains sports. Et après. C'est une question d'argent, c'est une question de médiatisation, c'est une question de beaucoup de choses. Donc, en tout cas, on avance petit à petit, ça commence à devenir de mieux en mieux. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Je pense pas que ce soit dans les structures, je pense que c'est peut-être plus dans les sponsoring ou je ne sais pas trop par rapport à ça, je ne me suis pas trop penchée là-dessus. Mais. Ouais, peut-être que, bah, de toute façon, le monde du foot, c'est quelque chose vraiment à côté. Il y a énormément d'argent, il y a énormément de beaucoup de choses. Donc, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Je pense que ça va évoluer, mais il y aura toujours une différence. Après, j'espère que ça va évoluer vite. J'espère que ça va aller de mieux en mieux, mais je pense qu'il y aura toujours une inégalité.